Les gars, alors là on est sur un bâtiment d'une ampleur. C'est juste abusé, les grands drapeaux italiens. Statue, mon frère. Regarde ça, la statue cheval, mais c'est juste immense. On a les deux églises ici. C'est vraiment balèze. C'est touristique et tout là. Putain, c'est vraiment beau. C'est le plus beau bâtiment. Regardez ça comme c'est énorme. Alors je sais pas si on se rend compte, hein. C'est énorme, quand je dis c'est énorme, c'est que c'est énorme. Donc là je le découvre avec vous, c'est vraiment... Je savais pas qu'il y avait ça. Putain que c'est beau. Oh regardez ça, il y a un brasero et tout. Hop, bon. Ah ouais, regardez ça, il y a les gardes. Oh c'est stylé la mort. Il doit y avoir... Ah ouais. C'est stylé et tout, le brasero. T'as capté. Ah non, c'est énorme. Il Vittoriano, il cielo spora Roma. C'est ce qui est marqué là-bas. Et franchement, ça pète sa race. C'est le seul grand drapeau italien. C'est vraiment énorme. Énorme. Je pense que c'est clairement le plus gros. C'est un bras zéro. Petit aigle, enfin, franchement c'est incroyable. Là-bas on a une tour d'ailleurs qui pourrait s'apparenter aux tours Borgia qu'il y a dans le jeu Assassin's Creed. J'y reviens souvent, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Assassin's Creed Brotherhood, qui se passe à Rome en 1500, de 1500 à 1506. Donc c'est pour ça que je me réfère à ce jeu, hein, parce que je le connais très bien, je l'ai fait 3-4 fois. Là, la statue est juste gigantesque, je sais pas si on se rend compte sur l'image, mais genre elle fait, je sais pas, bien 4-5 mètres de haut, c'est énorme, voire 6, je sais pas, mais putain, un de ces, ouais, vraiment incroyable. Ce bâtiment, c'est vraiment le plus beau, et je pense que la nuit, vu qu'il y a des palmes, c'est vraiment beau. Regardez ça. Là, il y a du vent, ça fait plaisir. Alors vous, peut-être, ça va pas faire plaisir pour le son, mais moi, ça fait vraiment plaisir. Regardez avec les lignes, c'est un honneur en vrai de se tenir là. Putain, trop beau gosse ce truc. Bon, je propose qu'on aille là-bas. Du coup, regardez ça, le rond-point et tous les trucs, c'est vraiment beau. Donc, je vous montre une dernière fois ça. Putain, là, petite muraille et tout, sympa. Je vous montre une dernière fois ça. Ouais, vraiment beau gosse quoi. On va essayer de rentrer dedans. Ah ouais, c'est vraiment beau gosse par contre. Genre vraiment, on va monter les marches. Wow. Une claque quoi, vraiment une putain de claque, c'est beau gosse à mort. Regardez ça quoi, sur des petites murailles. Je sais pas ce que c'est que ce bâtiment là, c'est vraiment ouf. C'est la statue celle-ci notamment, et les chars en haut ils sont immenses. C'est un gigantisme assez incroyable. Ah ouais, regardez la vue qu'on a. C'est franchement beau. Putain. Je sais pas si je peux filmer à l'intérieur, on va voir. Alors non seulement niveau beauté, pour moi c'est le plus beau. C'est le plus, clairement le plus beau, mais là, en plus de ça, il fait super bon à l'intérieur. La voûte est super classe. L'aventure se frite un peu, mais c'est stylé. J'ai une belle statue avec les chars et tout. Ça pète sa race. C'est vraiment trop stylé. Ah ouais, c'est vraiment stylé à mort quoi. Regardez ça. Voilà, là on a franchement une belle vue. Tiens, mais qu'est-ce que ceci? On peut aller dehors. Intéressant. Alors, regardez-moi ce cheval, mon frère. C'est gigantesque. Voilà, oh là là là, ça claque. Ah ouais, oh là là. Regardez ça, même le cheval, ils ont fait le détail des couilles et tout, quoi. C'est incroyable. Non, en vrai, c'est... Mais, ah ouais, du Game of Thrones, là, clairement, c'est incroyable. Oh là 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 là, regardez ça. Tout en marbre, là, quasiment, enfin, c'est... Incroyable.
Putain, ce cheval, mon frère. Mais ouais, je sais pas, peut-être 3, 4 mètres, 5, 6, je sais pas. Énorme. C'est juste énorme. On a pas mal de tours, pas mal de dos. Ouah. Ça pète sa race. Là, il y a une sorte de fresque aussi, je sais pas si on va voir avec le contre-jour, mais. Ah putain, c'est beau, gros. C'est juste gigantesque, quoi. C'est. Le truc. Le char qu'on voit un peu. Ah ouais, on voit. Ah, c'est stylé. Franchement, c'est stylé. On va essayer de voir un petit peu d'autres choses. Ok, on va de l'autre côté du coup. On peut aller dehors à part de l'autre côté là. On va voir ce qu'il y a. Ça a l'air d'être un peu plus venteux sur le côté. Voilà, là, là. C'est tellement beau. Regardez ça, le nombre de dômes en vrai, incroyable. Les toits qu'on connaît bien avec Assassin's Creed, toujours. On le rappelle. Putain, mais la notion, genre. Je sais pas si on se rend bien compte de la grandeur du truc, quoi, mais c'est. On se sent tout petit. Énorme. Énorme. Dans tous les dômes. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a deux autres derrière. Enfin, c'est énorme. 6 là-bas. Un tout petit. 7, 8, 9. Wow, c'est trop, trop classe. Vraiment. Ah, d'autres ruines ici. Ah, c'est stylé avant. Qu'est-ce qu'il y a à voir par là? Un beau ciel bleu, hein, comme on le voit. Bah, j'espère que ces petits vlogs vous font plaisir, parce que moi, ils me font très plaisir. Je vais vous faire ça. Wow. Alors là, on a quand même pas mal de trucs. Là, je crois que c'est le genre le théâtre. Si je dis pas de conneries, c'est assez sympa. On le voit d'ici, hein. Je pense pas que j'irai m'approcher, parce que c'est pas. Très très intéressant, c'est pas le plus intéressant on va dire, mais ouais, ça pète sa race, on est d'accord. Oh, yo. Voici un autre truc. Putain, c'est une ville sur une ville, quoi. Le truc, c'est énorme. Putain, ah, il y a même un ascenseur si on veut aller tout en haut, je crois. Et là, par contre, tu dois avoir une vue de baiser. Ah ouais, l'ascenseur, si on peut le prendre, on va essayer, mais c'est pas sûr. On a un ancien bâtiment, et on voit le nouveau, quoi. Enfin, nouveau, voilà. Ça pète sa race. Oh, tellement classe. Ah ouais, c'est beau. C'est même super beau. Oh, ici, il y a un clocher et tout. Mais non. Voilà, en 1878, et il a commencé à être construit jusqu'en 2007 apparemment. Voilà. Mais c'est wow, stylé à mort. Ah non, on peut pas, il est en réparation, c'est dommage. Il y aura déjà une belle vue ici. C'est dommage sans réparation. À moins qu'il y ait un escalier, mais je ne pense pas. Un hélico qui nous passe à deux mètres de la gueule ici. Je suis pas sûr qu'on puisse aller là. Je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut aller là. Ouais. Ok, là on arrive de l'autre côté du coup. Alors qu'est-ce qu'on a là? Une sorte de scène. Je sais pas ce qu'ils font ici. C'est en travaux en tout cas. Wow. Un des bâtiments les plus beaux que j'ai eu l'occasion de voir. Incroyable. Regardez ça. La vue juste magnifique. On a deux goélands justement. Putain, c'est vraiment classe. Ah, on a une belle vue sur les marchés de Trajan. Ils sont juste en face. On a le forum, le palatin, on a le colisée qui est de l'autre côté, mais on le voit pas trop. Ah si, bah si, là en fait, il est ce gros truc ici. Évidemment qu'on voit. Là voilà la fameuse tour Borgia. Ah ouais, non, franchement ça pète, j'espère que vous entendez pas trop le vent. Stylé.
ticket pour essayer de monter tout en haut du bâtiment et là on va surplomber Rome et ça va être magique. Ok, on prépare l'ascension. Putain, et là par contre ça vaut le coup, vaut mieux pas prendre le vertige, mais oh là 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 là, incroyable. Là on est vraiment haut quoi. Genre on est au plus haut. Je crois qu'on n'a jamais fait un mirador. On en a fait des miradors hein, dans mes vlogs. Mais là, Colisée là, tout au fond, je sais pas si on voit. Si on voit bien, je sais pas. En tout cas, c'est sublime. Comme vous pouvez le voir, bon, il y a un peu de réverbération, c'est un peu chiant, mais waouh. Incroyable. Incroyable. On va essayer de fixer l'horizon. Voilà, ici donc les forums qu'on peut voir assez facilement. Le Colisée, énorme. C'est énorme. Enfin, genre, waouh. Niveau bâtiment, là, on est pas mal. On surplombe la ville de Rome, en fait. Je pense qu'on est sans doute à l'un des points les plus hauts où on peut aller, en tout cas. C'est incroyable. Alors vraiment, dans tous les oh, putain, regardez, il y a des végétations. Alors dans tous mes vlogs, on en a fait des choses, hein. On en a visité des trucs. Mais putain, là, je crois que c'est quand même le meilleur. Regardez ça, comme c'est magnifique. On a une grosse vue sur Rome, en fait. Alors le seul truc, c'est que je ne saurais pas trop vous dire où est le Vatican. Je ne le vois pas. Là-bas, on a une chaîne de montagne, d'ailleurs. Alors ouais, le Vatican, je ne sais pas où c'est. Comme je disais ici. Voilà. Le Vatican, je ne sais plus trop où c'est. Logiquement, ça doit être là. Quelque part derrière les collines, je sais pas trop où. Et là, le putain de cavalier, enfin, ça aussi c'est un poids de toute la ville, c'est excellent. Excellent. Regardez ça, c'est énorme. Voilà. On a un stade de foot là-bas, je crois, je sais pas si on le voit. Attendez, je vais essayer de zoomer, c'est la tache blanche ici. Ouais, ici on le voit un peu. Ouais, regardez, c'est pas mal. Franchement, on est bien là. Putain. Tellement de place. C'est ça, mais c'est juste gigantesque comme truc. On se rend pas compte, hein, mais putain que c'est balèze. Regardez, genre rien que ça par rapport à ma main, quoi. Enfin, ça, c'est ma main. Et regardez, enfin, énorme. Le bâtiment est juste. Ouais, il est stratosphérique, quoi. Niveau taille, c'est abusé. Vraiment cool. Je suis vraiment très content de ce vlog. Il n'en restera que 4 jours, malgré que les autres en restent une semaine, deux semaines, tout ça. Ah putain, on fait plus de choses, hein. Je peux vous le dire. Incroyable. Oh là là, Rome, franchement énorme. Oh là 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 là, quelle vue. Enfin voilà les amis, j'espère que cette grosse vidéo vous aura plu, surtout par rapport aux autres du vlog. Je vous retrouve pour une autre vidéo, je ne sais pas pour quand, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Mais on va essayer de se retrouver, là on va essayer d'aller manger. Il est très exactement 13h38, on n'a pas encore mangé, on va essayer d'aller manger. Et je vous retrouve et je vous dis bye et à la prochaine. Surtout, suivez le vlog. Allez, salut!